Voilà, c'est le défaut. C'est le disque qui le vis-guide. Et c'est pas bon. On a acheté nouveau, d'origine. Bogner Wagner. C'est pas tout chinois. Voilà. C'est bon en eau. C'est pareil. On va replacer. Je vais faire les réglages avec ordinateur. Et ça va partir, c'est 2 litres. Je dévisse les gates. Et après, avec le clé comme ça, comment comme ça, parce que comme ça, j'arrive pas à rentrer. Celui-là, c'est compliqué. Et finalement, je casse la tête et je vais suivre avec ça. Le clé comme ça, 10. Voilà, ça, c'est d'occasion. C'est d'origine. Et le problème, ça tient pas à la pression de ici. Ça veut dire, quand je ferme celui-là, normalement, ça bouge pas. Ou ça reste bloqué quelque part. Par exemple. Voilà, j'ai fermé. Et c'est parti. Ça, avec le nouveau, ça marche pas. Voilà. Ouais. Ça se voit, ici, j'ai pression de l'air par ce côté. Ça tourne très très bien. Voilà. Ça fonctionne. Ça sonne au bout. Je fais un test. Regardez. Je ferme. Là. Je tire. Je tire. Et ça reste bloqué. Regarde. Je retire la main. Voilà. Ça veut dire ça marche. Je bloque. Je retire. Voilà. Et l'autre, il fait pas ça. C'est ça le problème. Tous les turbos de Volkswagen, c'est son maladie. Mais par contre, vous pouvez pas replacer comme ça les pièces. Il faut faire réglage. C'est obligatoirement. Sinon, ça monte sécurité directe. Mode dégradé, sécurité comme vous voulez. Voilà, je fais un test, tout marche nickel, même ça va s'échauffer, il n'y a pas de défaut avec une grande accélération, tout est nickel. C'est ça le souci, c'est la pièce, c'est une maladie de cette pièce.